Alors, en l'absence du numéro 50, on va donc passer au 51, c'est bien cela? Merci. Amédée Choupeau, en personne, qui nous présente ces 51. Oh là là là, quand on regarde la feuille de catalogue, alors il y a des choses qui nous sautent aux yeux. Ce numéro 51 qui nous est donc présenté par Amédée Choupeau est une fille de Network. Alors déjà, ça, c'est une très bonne chose. Et c'est une sœur de Royality. Royality, très bon cheval entraîné par Philippe Pelletier, fils de Visionary, vainqueur de la grande course de haie de printemps à Auteuil. Donc nous avons ici une sœur d'un gagnant de groupe à Auteuil récent. Et d'ailleurs, ce Royality, figurez-vous qu'il a été champion des deux ans au Choix QPS de l'Ouest 2017. Bon sang, ne saurait mentir. À la génération précédente, on retrouve un excellent cheval aussi, Carton Noir, qui a gagné les grands types de cran chez Margogne. Belle souche ici. Attire avec une mère par Altea 2. Il n'a pas eu beaucoup des Altea 2, qui étaient tout à fait dans ce modèle, Alzan, et qui a transmis son modèle au meilleur de ses fils, c'est-à-dire Mathéa Lamberne, triple vainqueur du Grand Cross de Cran, sous l'entraînement de Gérard Margogne, la casaque de Jean Hardy, et la selle de Jean-Louis Chasseriot, dans les années 80. Pouliche massive ici. Ah, des Anglais qui remplissent les tribunes. On voit Richard Dobson, courtier anglais très actif, qui était à 2-6 la semaine dernière et qui est venu ici au Lion d'Angers. Il y a 35 à 40 Anglais hein, qui sont là aujourd'hui. Bonjour Richard. Voici le lot suivant. On va vérifier le numéro. Voilà, le 52. Alors, le 52 s'appelle Altesse du Rosel. Elle est présentée par M. Albert Blin-le-Breton de Montviron, dans la Manche. Fille d'Alnamix, il y a beaucoup d'Alnamix hein, dans la Manche, puisqu'Alnamix fait la monte dans la Manche. Au haras de Mirande, à Sartilly. La mère est par Loupiguette,
le frère de Le Balafré. Et alors, c'est une super souche de crosse ici, puisque la mère Flower du Rosel, déjà elle-même, était bonne en course. Hein, elle a gagné à Corlay. Il faut sauter pour gagner à Corlay. Et c'est la sœur de Nike du Rosel. Nike du Rosel, un cheval très impulsif, qui a gagné le Grand Cross de Plouermel et deux fois le Grand Cross de Rostronin, et gagnant le Grand Cross du Pin. Un cheval un peu trop impulsif pour aller sur cran, par exemple. Et puis, on retrouve sous la troisième aire un très bon cheval d'Auteuil, Brameteau. Alors, elle nous est présentée par Monsieur Blin le Breton, et au fouet, c'est Monsieur le juge, Jean-Pierre Aumont. Alors, Jean-Pierre Aumont, c'est intéressant parce que c'est d'une de ces poulinières d'où vient toute la souche Couetil. Toute la très très bonne souche Couetil. Donc, descend d'une poulinière de Jean-Pierre Aumont. Alors, on ne sait pas s'il regrette de l'avoir vendue depuis 25 ans. Un peu, mais c'est comme ça l'élevage. Alors encore une pouliche athlétique, très typée course, avec de l'amplitude. Ah, un petit peu d'air. Le vent se lève. Ça fait du bien, remarquez, parce qu'il faisait un peu chaud ce matin. Les bannières France-Cyr flottent au vent, tels des drapeaux triomphaux. Ah, les juges prennent leur temps, ils sont très attentifs. Merci. On va donc accueillir la pouliche suivante, qui est donc le 53, si je ne m'abuse. Est-ce bien le 53? Oui, tout à fait. Alors, le numéro 53 s'appelle Amazone de Ré. C'est une fille de Mister Sacha et Ninon de Ré. Elle est présentée par Philippe Hardy, qui a repris le domaine paternel à Saint-Denis d'Anjou. Donc, Ninon de Ré est une fille de Denham Red, la mère par Abdonski. Donc, des étalons qui étaient tous stationnés au ras de la Rousselière. Ninon de Ré est la sœur d'un très bon cheval en obstacle, Pinot de Ré. Très très bon cheval, un obstacle, ce Maresca Sorrento. Il a terminé deuxième de groupe 1. Et oui, deuxième de groupe 1. Et c'est la souche d'un des premiers vainqueurs du Grand Steeplechase de Paris, AQPS, un des chevaux qui a porté l'AQPS au pinacle parisien. À l'époque, on les appelait les buveurs d'air. C'est Otage du Perche. Alors, dans cette souche, il y a aussi la sœur d'Otage du Perche, Skina du Perche, très bonne jument de crosse, qui a donné naissance à Boldor 2, gagnant du Grand Cross de Cran.
Donc cette souche de Ré a été exploitée à la base par le père de Philippe Hardy, c'est-à-dire Michel Hardy. Donc on y trouve Pinot de Ré, mais également Hardy du Perche, un fils d'Abdonski. Donc Michel Hardy, un grand ami de la famille de la Guillonnière, d'où la répétition des croisements avec les étalons du haras de la Rousselière. Ok, merci au 53. On va donc ouvrir la porte au lot suivant. Qui est le 54 ? Ah, il n'a pas son numéro. Est-ce que vous pouvez... Ok, 54, merci. Merci, merci, merci aux observateurs. Alors, le 54, cette ambre rouge présentée par Madame Laurence Gagneux, qui a gagné un prix tout à l'heure avec une faule. La faule née le 25 janvier, qui était sevrée, la grande Blue Brésil. Et là, eh bien, c'est la tous. Ah, c'est la sœur aînée de la pouliche de ce matin, qui s'appelait Sienne Rouge. Là, c'est Ambre Rouge. Donc Quiche-Lorraine, donc la mère, c'est toujours la même souche, hein, Ciborgo, hors la loi 3, entraîné par François Domaine, qui était un champion à son époque. Et le père, vous ne le connaissez pas, reste tranquille, c'est normal que vous ne le connaissiez pas, il a un destin absolument hallucinant. Il est mort, il saillissait encore, il est mort à l'âge canonique de 28 ans, reste tranquille, il a quand même un drôle de nom pour un étalon. Il faisait la monte chez monsieur Daniel Lassausset en Normandie, et reste tranquille. Qui n'avait pas été black type à son époque, a passé 20 ans de carrière à être limité à 5 poulinières. Donc il y a même des années où il ne saillissait aucune poulinière, ce qui ne l'a pas empêché de produire un gagnant un des meilleurs 4 ans d'Auteuil et des 3 ans d'Auteuil. Récemment, on va demander à Pépé Gilles, Papa Gilles Barbarin, qui n'a pas assez bu hier soir et du coup qui ne se rappelle plus du nom. Sénéchal, voilà, ben, c'était le tranquille, voilà. On a retrouvé le tranquille, donc un des meilleurs éléments de sa génération qui a gagné le congrès, est un fils du défunt Reste Tranquille, qui est donc le père de cette jument. Donc voilà pour situer un peu le père Reste Tranquille que vous ne connaissiez sûrement pas. Alors dans l'attente du lot suivant, on va vous préciser qu'on va vous inviter à visiter le village, hein, qui est sur votre gauche. Et il y a notamment le stand AQPS avec plein de choses à acheter, des casquettes, des t-shirts, des polos. Pour être habillé en AQPS. Il est juste, c'est le stand qui est juste à l'angle, il y a beaucoup d'autres stands également. Dean Avena, Spillers. Ah voilà Nicolas Simon qui rentre en scène. Avec le 55. Alors le 55, il s'appelle Amor Droso. Dalida.
Dalida, bien sûr, vous aurez reconnu, vous, mélomane, fan des années 80. Voilà. Roger Yves Simon qui donne toujours des noms de chansons à ses produits. Et là, c'est Amor Doloroso. Une pouliche née le 1er avril. Ce n'est pas un gag. Une fille de Early March et I Am Free avec une mère par garde royale. Ouh là 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 là. On les attend, on les cherche. Et on les trouve, les mères par garde royale, ici à ce show à Cupès, eu en danger. C'est la souche de Ombrage, la cousine d'Ombrage, donc, qui était une très très bonne jument à 3 ans déjà, puisqu'elle a gagné le prix des Guédines, ainsi que le prix Florent Charrier. Elle a fait le doublé des deux meilleures épreuves pour femelles de France, c'est-à-dire le prix Florent Charrier à Moulins, et les Guédines à Durtal. Et Ombrage vient de s'imposer dans le prix des buveurs d'air, ce n'est pas un cri au catalogue, c'est un update, dans le prix des buveurs d'air à Clairefontaine. Une course d'ailleurs scandaleusement nommée, prix des buveurs d'air. On se demande ce qu'il a pris aux décideurs de France Gallo d'appeler cette course d'une critique violente des AQPS. On espère qu'un jour ça va changer. Pouliche qui a une très forte épaule, profonde. Une famille qui vient à la base du centre de la France, de chez, plus précisément de chez Michel Jeune Cyprès, puisqu'on y retrouve Jeux Olympiques, Radium, Thallium. Merci, merci aux 55 et à Nicolas Simon qui repartent vers leur destin. On espère qu'ils vont revenir plus tard parmi les premiers pour le rappel. Est-ce le numéro 56 qui nous arrive? Non, c'est le 57. Ok, merci. Le 57, donc, en l'absence du 56, ou en le retard du 56. Donc, on est bien d'accord, nous avons le 57. Ah, une pouliche de Irish Wells. Ah, il y a Franck Champion qui est là, hein, le responsable commercial du Haras des Tréants. Et par ailleurs, des étalons qui sont placés au Haras de Victo, comme c'est le cas de Irish Wells. Et j'ai senti bondir sur son siège au nom de cet Irish Wells. Fils de polyglotte, Irish Wells, le polyglotte au grand format et petit prix. La mère s'appelle Millie. Et on vous conseille de regarder avec le plus vif intérêt cette pouliche, car la mère Millie, elle a déjà donné naissance à une Sainte d'Ulysse. Alors ça c'est très bien, une Sainte d'Ulysse, hein, gagnant du prix Radio Paris. Et à Véronne d'Ulysse, pouliche de Saint-Dessin qui a fait une impression sensationnelle il y a 15 jours ou 3 semaines lorsqu'elle s'est imposée en débutant à Moulins en battant Vasco d'Issy qui depuis a répété en gagnant d'une avenue sur le même hippodrome de Moulins. Donc une pouliche élevée par Karine Guillochon du Haras d'Ulysse qui s'appelle Ange ou démon d'Ulysse. Alors Karine avec son pantalon noir et ses cheveux noirs serait plutôt démoniaque. Tandis que Jean-Luc, le doux et délicat Jean-Luc, svelte et léger, diplomate, serait plutôt côté ange.
Voilà, donc la sœur d'un avion à réaction qu'on a vu à Moulins, Véronne d'Ulysse, qui est peut-être même encore meilleure qu'une sainte d'Ulysse, qui était déjà un sacré zingue, Saint-Dessin également. Alors on est passé de Saint-Dessin à Erichwald, on est resté dans le clan Étréan. On a tourné Kazakh, on est passé de Saint-Dessin à Cadoudal, plutôt à la recherche du centre polyglotte avec par le truchement de Irish Wells. On précise que la mer est par Useful, donc c'était un croisement à l'envers ici. Donc la mer par Useful, c'est pour cela que nous avons ici une pouliche à QPS. Useful, un excellent père de mer. Ok, merci à ce 57. Ah, on voit que les juges accélèrent le rythme. Ils ont trouvé leur rythme, ils n'ont jamais jugé ensemble, là, donc c'est pas évident de trouver ces marques. Voici Gaëtan et Genaël, la Dream Team du Haras du Chêne, qui nous présente. Qui nous présente le numéro ? Le 58, merci. Merci Guénard. Voilà, qui a un beau fouet, mais enfin même sans fouet, on n'a pas envie de lui marcher sur les pieds à Guéna. Angie du Filon. C'est une fille de Le Balafré. Ah, le défunt, Le Balafré, on le regrette, il s'est éteint, Le Balafré, ce printemps à Pompadour. Le Balafré est le père de Polar Rochelet, qui a été le porte-drapeau de l'élevage à QPS Ouest lorsqu'il s'est imposé dans le grand steeplechase de Paris, il y a 2 ans, sous l'entraînement de Patrice Quinton. Donc cette femelle de Le Balafré est grise, non pas comme son père, mais comme son mystérieux grand-père Milpond. Alors, Milpond mystérieux, pourquoi ? Parce que c'est le frère de Garde Royale, Milpond. Personne ne s'en souvient, mais c'est pourtant bel et bien le cas de Garde Royale et de Royal Charter, d'ailleurs. Milpond a très très peu sailli. Il était entraîné par Patrick Biancone. Il a fait une course sensationnelle dans le Derby d'Epsom. Il avait gagné en débutant et sous la selle d'Éric Legris, il est parti courir le Derby d'Epsom, il en a terminé 4e. Il a quasiment jamais rien sailli, Milpond, mais c'est le père de mère d'un très très bon cheval de chez Éric Leray. Merci donc au numéro 58. Alors, si c'est le 59 qui rentre en scène, c'est le portrait craché de son père. Si c'est pas le cas, bah c'est pas le cas. Quel numéro est-ce, s'il vous plaît ? Ah, comme l'avait bien fait, c'est le 59. Alors, le 59 s'appelle Anixia. Et donc ce 59 est présenté par Jean-Luc Couetil, the winner of this morning, Jean-Luc, et qui nous présente une fille de Mister Tullio, tout simplement parce que Mister Tullio fait ou a fait la monte chez lui, au Haras du Brême, donc à côté d'Avranches, dans la Manche. Et c'est une souche, c'est là toujours la même souche de base qui descend de Olchani. Mais c'est par une autre branche dont on n'avait pas parlé encore, où on retrouve Parker, c'était bien Parker, un gagnant du prix de Lyon, après s'être imposé dans... Où elle est cette perf ? Je suis sûr qu'il a gagné le prix de l'avenir. Ah non, le Jacques de Vienne, pardon. Souche également de Biandi, la souche de Kessa et de Saoma, la très bonne Saoma. La mère d'Acacia... Elle n'a pas eu de chance. Hein. La Bernacassia n'a jamais réussi à gagner, mais elle a accumulé les places, 10 places, et puis des deuxièmes places qui comptent, hein. Nantes, le prix d'Arosselière ici au Lyon d'Angers.
C'est une jeune poulinière hein, dont les premiers produits n'ont pas encore couru. Voici donc une fille de Miss Tortulio qui ressemble comme deux gouttes d'eau à son père Miss Tortulio qui était un cheval d'obstacle de talent. Ah, on voit que les juges accélèrent le rythme. Oh, quelle allure! Alors, les juges ont demandé à ce que la pouliche fasse un aller au pas et un retour au trot. Pouliche qui marche très bien, d'ailleurs. Yann Poirier, le président, qui met la main à la pâte pour nous présenter le 60. Ah non, le 63. Ah, on va passer deux pages. Le 63, présenté par Monsieur Serge Cornu. Le 63 est grise comme son père Martaline, avec une mère par quart de vin. Alors ça, c'est intéressant parce qu'il n'y en a plus beaucoup hein, des mères par quart de vin. Cheval qui était un grand étalon d'obstacles dans le centre de la France. Alors il y a une origine riche et très variée. La mère s'appelle Gouléante, donc c'est une fille de quart de vin. Elle n'a pas couru, alors des choses assez particulières. Elle a fait un premier produit, Risabelle du Maguet, par l'ITSAM, que personne ne connaît, normal, c'est un sel français de section A. Idem avec Yarland Summersong, et là on a remis cette jument dans une version course, ce qui est tout à fait logique, parce que quand on voit la famille, regardez sous la deuxième mère, il y a Isio qui était un vrai bon cheval, en plat, et puis en obstacle après, 8 courses, gagnant de groupe 2 en Angleterre, deuxième de groupe 1 à Entry, en steeple. Sous l'autre branche on a Néronde, Insolente Côte, Georges Richardot, j'avais oublié Georges Richardot tout à l'heure, dans les gens qui venaient du centre de la France. Lui, il vient de la Saône-et-Loire. Daniel Baudot également, qui est venu de la Saône-et-Loire.
C'est bon, merci. Bon, très bien. Jolie fille de Martaline ici. Qui va laisser sa place, manifestement, à moins qu'elle fasse encore un tour. Non, elle va laisser sa place. Alors, on va savoir si on revient un peu en arrière ou si le 61 et le 62 étaient absents. C'est le 61. Alors, on va retourner le catalogue un peu en arrière pour découvrir le 61. Le 61 s'appelle Anne Véro, présenté par Pierre de la Guillonnière, sous les Raibourg, tout près d'ici, vous connaissez bien. Un fils de son étalon, Maresca Sorrento, un des meilleurs étalons d'obstacle en France. Et la souche, une souche qu'il adore, puisque la grand-mère s'appelle Rousselière, du nom de son domaine. Il a bien fait d'appeler cette jument par le Pontet Rousselière, puisqu'elle lui a offert d'immenses joies en course déjà. Elle a gagné le prix de France à Auteuil, la grande course des gentlemen. Elle est devenue la grand-mère d'un champion, Hilar, mais également de Housselière, une autre fille d'après Knight, qui était très bonne, qui a donné elle naissance à Tête Viva, une des meilleures juments de plat de sa génération. Voilà, donc là, un croisement entre trois étalons bien connus, Maresca Sorrento, April Knight et Le Pontet, qui ont chacun apporté des qualités différentes. Et donc, nous avons ici un croisement très complémentaire. Ok, merci au 61. Les juges accélèrent le rythme. Alors, le suivant, est-ce qu'on passe au 62 ou on va repartir sur le 64? Le 2. Ah, Philippe Fouchet nous a fait un signe 2. Les deux doigts en l'air, ça veut dire le V des envahisseurs ou alors Twix de Doc Hoopefin. Le 62 s'appelle Entourloupe avec un A, puisqu'elle est à la lettre. C'est une fille de Kalkévi, née le 15 mai. Bon, Kalkévi, hein, un cheval qui est très apprécié, très populaire ici au Haras National Lyon-Angers, malgré sa petite taille d'ailleurs, c'est un Kayasi, on ne va pas les faire grands, c'est pas possible. Il est présenté par Catherine et Jean-Claude Fleury. Et c'est le neveu, c'est le petit-fils de Ripérap, et donc c'est le neveu de René qui a gagné le prix Nupsala à Auteuil, un passing sell. Alors, une famille dont vous a parlé déjà tout à l'heure, on retrouve Roseau de Loire, qui a beaucoup donné aussi à Catherine et Jean-Claude Fleury, Quentin Lépré, Panda de Riz. La mère, elle est par Perrault. Perrault qui avait fini sa carrière d'étalon à Rade la Guillonnière. Aura de la Rousselière chez Pierre de la Guillonnière et qui est mort de sa belle mort, c'est-à-dire qu'il est mort en donnant la vie. Le dernier coup lui fut fatal. Et ça arrive souvent. Attention messieurs à ce qui peut vous arriver. On a connu des présidents de la Troisième République se retrouver en fâcheuse posture à cause de cela. Il a fallu les arracher.
encore au nicotine. Avant. Paul Doumer. Oui, ce n'était pas le président du syndicat des éleveurs à qui c'est arrivé. C'était un président de la Troisième République. Pas la peine de fantasmer Loïc Malivet. Qui a beau se cacher derrière sa lunette de soleil, il est bel et bien présent, il nous fait l'honneur de sa présence, le vice-président de France Gallo. On va d'ailleurs lui suggérer de changer le nom horrible du prix des buveurs d'air à Clairefontaine. Voilà. Il n'est pas venu pour rien, Loïc. Allez, merci aux 62. Qui repart au trot ? Alors, le 63, on l'a déjà vu tout à l'heure. Je suppute le 65 d'être prêt à rentrer en scène, c'est bien ça ? Non. Ah, ben... perdu. Eh bien non, c'est le 64. 6. Ah, oh, bah oui, alors, on peut tourner les pages. 66, le chiffre du diable. Askel Lamberne, une fille de Network, très marquée par son père d'ailleurs, présentée par monsieur Jean Hardy, qui habite à Jambon, à Saint-Denis d'Anjou. Lamberne. Ah, Lamberne, comme Mathéa Lamberne, le triple vainqueur du Grand Cross de Cran. Et qui d'ailleurs, Mathéa Lamberne, est dans le pédigré de cette pouliche sous la quatrième mère, vous pouvez le constater. Plus récemment, nous avons eu... Enfin, plus récemment, il est né en 85, mais quand même, Hippodrome Lamberne, qui a gagné 12 courses. Croisement de Network avec une mère par April Knight. On peut supposer que ce soit une jument qui a un tempérament de feu. Félix Faure. Bravo Roger Yves Simon qui a l'habitude des élections également. Non, mais si vous suivez, Félix Faure, c'est le nom du président de la Troisième République qui est mort en essayant de donner la vie à une fille de joie qui a été bien embêtée. Et tout cela est vrai. Et pour finir l'histoire, on ne se souvient plus très bien du patronyme de la demoiselle en question, mais de son surnom, on s'en rappelle bien, il est resté dans l'histoire. Elle s'est appelée la pompe funèbre. Et tout cela est vrai. Merci donc au numéro 66.
Ça doit être le 69 qui arrive. C'est bien cela ? Merci. Le 69, cheval gris. Latte gris également. Jean-Pierre Aumont, qui nous présente Athéna du Ménil. Athéna du Ménil, une fille de Alnamix et Perle du Ménil. Par Vilaise, tiens. Vilaise, on ne l'avait pas vu encore vu en tant que père de mère. Ah, c'est Perle du Ménil, c'est bien, hein, c'est la sœur de Napalm du Ménil. Drôle de nom, Napalm du Ménil, brillant hommage à la guerre du Vietnam. Napalm du Ménil qui a gagné le Grand Cross de Dieppe. Super cheval d'obstacle, et c'est la souche aussi de Soldatino. Alors Soldatino, c'est rigolo parce que Soldatino, il a été élevé en Corse, et puis après à Pompadour, il a gagné chez Loïc Manceau à Pau, et il est parti en Angleterre, et dans la foulée, il s'est imposé de le Triumph Hurdle, groupe 1 à Cheltenham. Pendant le meeting de Cheltenham, et puis après ça s'est beaucoup moins bien passé, et il est revenu chez Guillaume Macaire. Il a fait sa rentrée à Pompadour le mois dernier. Soldatino, gagnant de groupe 1 dans ce pédigré. Un pédigré où on retrouve une robuste souche du centre de la France, Diantus du Moulin et de Levice du Moulin. Donc un croisement de Alnamix avec Vilaise et Air du Nord. Alnamix était, contrairement à ce qu'on peut imaginer de son souvenir, était un pur miler. Alnamix, on le connaît maintenant comme un père de sauteurs. Un fils de Dynamix, hein, donc à la surprise générale, Dynamix donne des gènes de saut. La mère est par Vilaise et la grand-mère par Air du Nord. Alors, attends, bouge pas une petite seconde. Alors, voici Atome des Mottes, le 71, une fille de Della Francesca et l'excellente Puzza des Mottes, championne de sa génération, en place sous l'entraînement de Anne-Marie Poirier. Okay, bon bah...
Ça marche pas tout de suite. Pardon ? Ah. D'accord. Ah oui, d'accord. Ça. Ok, pas de problème. Écoute, il n'y a pas de souci. Ok, super. Je te laisse parce que là, je suis... Des fois, ça fait des... On va essayer de recaler ça plus tard. Là. Merci beaucoup, Julien. Ciao, ciao. Donc voilà, Atome Desmotte. Donc vous avez bien connu un Pousta Desmotte qui s'est imposé notamment sur cet hippodrome du Lion d'Angers, une fille de Youthful. Très très bonne jument, hein, gagnante. Bah, ici, donc c'était le prix de la Rousselière, mais elle a gagné le prix des Guéhédines à Durtal, le classique pour les 3 ans, à QPS. Et gagnant le prix, également le prix Glorieuse à l'âge de 5 ans à Maison Lafitte. Et c'est la cousine de deux autres très très bonnes juments de course à QPS, dont la mère, respective par Youthful, c'est Royce Desmotte, gagnante du prix des Guéhédines, et Sun Desmotte, la lauréate l'année dernière de l'Arc du Triomphe des AQPS, le prix de Cran. Voilà, une souche que je connais bien, évidemment, de l'écurie Desmotte, qui descend d'une pure sang, c'est un croisement à l'envers, hein, par le truchement de Youthful, le père de mère de cette pouliche. Voilà, une origine anglaise à la base, plutôt de vitesse d'ailleurs, mais qui a très bien produit en plat, bien sûr. Il y a eu Tarzan Desmotte qui a gagné l'Easton, mais Ellie Desmotte également, vainqueur du prix Finot. Et puis, Pousta Desmotte, et ce qu'il faut signaler, c'est qu'elle était, elle, jument de plat. Elle n'est pas passée sur les obstacles, puisqu'Anne-Marie Poirier entraîne uniquement en plat. Mais elle est sœur de très bons sauteurs, Cosmos Desmotte, triple vainqueur sur les obstacles, et également Royan Desmotte, qui a gagné 2 fois à Toulouse. Voilà, donc une origine de plat et d'obstacles dans le pédigré de cette fille de Della Francesca, qui lui aussi est un étalon, comme disent les Anglais, dual purpose. C'est le premier produit, hein, je le précise, de Pousta Desmotte, qui a ensuite un mâle de Califet, un autre mâle de Évasive, qui est pleine de cap-garde. Donc une pouliche bien sûr très près du sang, ce qui est complètement conforme à son origine. Voilà, les Anglais appellent ce genre de modèle très racing-like. Merci à Atome Desmotte. Alors, on va juste faire une petite vérification. On arrive au dernier numéro de cette série de femelles. Enfin, tout cas dernier numéro du catalogue. Est-ce qu'il y a des retardataires qu'on n'a pas vu tout à l'heure ou des absents qui vont arriver ou c'est bel et bien la fin ? Non, il apparaît que c'était le dernier lot de ce concours des femelles 2 ans à QPS 2012. Alors, on va se diriger vers les juges, mais à mon avis, ils vont avoir quelques minutes de délibération parce qu'ils ont vu beaucoup de femelles. Et donc il faut avoir quelques minutes de délibération pour pouvoir en juger, sachant que juger des 2 ans, c'est toujours un peu plus compliqué que juger des foals. Il y a beaucoup plus de points à vérifier. Ah, tandis qu'on voit l'arrivée de Michael Cousin, le patron de la cantine. Ah oui, la cantine, c'est là où il faut manger. Service à 11 jusqu'à 11h30 du soir, 3 services. C'est très utile en rentrant des courses quand on a gagné. Surtout en partant du Lion d'Angers, après 5 ou 6 ou 7 bouteilles de champagne, il faut encore savoir où manger. On trouve des services tardifs. La cantine, Château-Gontier. Salut Arnaud, ça va ?
Bayonne, je bondis. Girardi. Et bon, c'est en cours. Le Maresca, il va partir. Hein? Le Maresca, je crois qu'il va partir. J'ai même pas envie de le Maresca avec qui. Mais il est pas passé encore. Hop là, il est pas passé encore. Tu vérifies bien dans tes papiers encore. Oui. Alors, on va aller voir les juges. Ça bosse. Un jury très studieux qui relit ses petites notes. Ah voilà, ils sont encore en train de classer les chevaux les uns après les autres. Grande discussion. Sommeil plus tard. Plus tard, ça. Plus tard, ça. Le sommeil sera dimanche. Bon. Parce que demain, on monte au Quesnay, on tourne tous les étalons au Quesnay ce matin. Ah ouais. Et après, on descend à Saint-Sébastien pour faire un direct. Ah non, ça va. Pour faire le direct des ventes de Saint-Sébastien. C'est bon, les jeunes, hein? Là, pour faire peau, pour cagne. Ouais, les cagnes, pas dans trop d'autres matières, c'est pas trop des chevaux d'éleveur. Un pot, il y a un peu plus de. Ouais, ouais. Je l'ai une fois l'année dernière, ils ont annulé les courses, ils se sont dit, je l'ai. J'y étais. Non, je suis autour. Je suis rentré tous les jeunes chevaux là pour les vendre. C'est la talent qui me dérange. Il
Mais il faut que je le voie. Parce que... Rien ne m'a même pas trouvé. Non, mais je veux pas. Je veux prendre le bateau. Je veux prendre le bateau. Je veux prendre le bateau. Non, mais je veux prendre le bateau. Ah, pardon. Alors, voici, dans quelques instants, moment tant attendu, le classement. Alors, je le prends d'abord en note pour ne pas faire de bêtises, et après, je vais le donner. Je vais vous le donner prestement. Le jury aurait voulu revoir que les 10 premiers. Vous êtes d'accord ? On fait que les 10 déjà. Alors, ce qui va se passer, c'est que le classement va être provisoire, et le jury veut revoir les 10 premières, en l'occurrence, uniquement les 10 premières. Pour pouvoir voir les 10. Alors. Ça vous fait les 10 premières. Mmh. On voit avec Yann s'il veut qu'on ait l'équipe. Qu'il vienne ou qu'il vienne pas les 10. On peut passer tout le monde là-dedans, mais on a les deux ans à passer derrière les mains. Ouais, ouais. Hein? Quand t'es 15e, je veux dire, t'as rien à foutre. On passe les 10. Hein. Ok. Alors attends, je reviens. 59, 48. Le zéro est là. 59, 48, 51. Oui, 44, 53, 66, 45, 69, 47, 52. Bah, c'est ça, les concours. Hein. Alors, allez, on va faire jouer un petit peu le suspense, là, parce que là, je vous sens chaud. On va commencer par la cinquième place, et puis après, on va remonter. En juste, on précise qu'on va vous donner après les 10 premiers, et seuls les 10 premiers seront rappelés sur le ring. La cinquième place est prise par le numéro 53. La cinquième place est prise par le numéro 53, c'est la fille de Mister Sacha, présentée par Philippe Hardy. La quatrième place est prise par le numéro 44. Le 44 des Flight Lazari, ça c'est la maison Couetil. La troisième place, voilà, on entre dans le cœur du dans le vif du sujet, le gagnant. La troisième place est prise par une fille de Network et Alésia qui porte le numéro 51. La deuxième place, c'est Alexandre Deschères qui la remporte avec le 48, Roman Saddle et la Môme. Et enfin, la victoire de la plus belle pouliche de deux ans du choix QPS du Lion d'Angers 2009. Est prise par le 59, fille de Mister Tullio et Nacassia, Jean-Luc Couetil. On appelle donc dans cet ordre le 59, le 48, le 51, le 44, le 53. Voici pour les 5 premiers. Je vous cite maintenant les chevaux de la 6e à la 10e place qui sont également appelés sur le ring. Le 6e est le 66, le 7e, le 45, le 8e, le 69, le 9e et le 47, et le 10e, le 52. Alors, je vais vous répéter ça dans l'ordre quand même, pour qu'il n'y ait pas d'erreur. Donc, dans l'ordre, en partant de la tête, le 59, le 48, le 51, le 44 et le 53. Voici pour les 5 premiers. Ensuite, nous avons le 66, le 45... le 69, le 47 et le 52. Et on félicite une nouvelle fois Jean-Luc Couetil qui passe une bien belle journée puisqu'il remporte la section, bravo Jean-Luc, il remporte la section des femelles du Lion d'Angers, des femelles de 2 ans du Lion d'Angers 2012 avec une fille de Mister Tullio, son étalon, très typé de son père. Alors, voilà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va la présenter là, c'est parfait. Pouvez-vous qu'elle parte, un petit monsieur, là, parce qu'on est juste dans la... Voilà, très bien. On va l'amener devant la caméra. Ah, il a le sens du spectacle, là, Jean-Luc. Hop, juste là, on va la laisser là, elle est au soleil, c'est parfait. Regardez. Voilà, et puis les photographes sont là, bah, la vie est bien faite.
Voilà, elle est parfaite là comme ça. Alors, on va demander à un juge anglais. Oui, oui, oui. Monsieur Scudamore. That is correct, yep. Le légendaire Monsieur Scudamore, qui est là. On va se rapprocher de la jument pour être dans le champ de la caméra. Alors, qui va nous expliquer le choix de cette police? So, why did you choose this number 59 to be the champion filly of Le Lion d'Angers 2012? Thought she got good bone, plenty of scope, and she moved very, very well. I thought there was a very high standard of class when you're getting as close to these. The sort of the top four and an exceptional bunch, but just I suppose her size and the way she moved just tipped it for us. Alors ça c'est intéressant parce qu'on a affaire à des concours de modèles Z-allure pour ces concours de beauté. Et bien Peter Scudamore vient de nous expliquer que c'est bel et bien l'ensemble de son ossature et du scope, c'est dans les profondeurs, et surtout donc de son ossature, le fait qu'elle ait beaucoup d'os et de la taille, mais cela associé avec un véritable mouvement, avec de formidables allures, qui a fait qu'elle a remporté la première place dans une compétition très très serrée. Manifestement, the first four, it was difficult to find the good one in the first four. That's it. Yes, I thought they were very close. You can see all four have got nice size and scope for them. I suppose it's a little bit difficult for the French producer because I've got an eye of an English steeplechaser, and I'm always looking perhaps for a bigger horse. So it's difficult for them, but I thought they were an exceptional first four. Yeah. Alors, voilà ce que vient de nous dire M. Scudamore, c'est que les quatre premiers, c'est vraiment, il y a une lutte très très sévère entre les quatre premiers qui sont de son avis un lot tout à fait exceptionnel en termes de qualité, donc il a été très difficile de choisir entre les quatre premiers. Tandis que Richard Powell vient remettre les prix, voilà, il va offrir une tonne d'aliments, demande Jean-Luc Couetil. Spillers ? Jean-Luc Couetil qui a été rejoint par son frère Alain et par Hervé Darmaillet, le président de l'Association nationale des AQPS, qui offre un prix de 30 euros pour chaque participant à jour de cotisation. Ce qui est évidemment le cas de Jean-Luc Couetil. Bien. Alors, il y a aussi, il y a également l'écurie seconde chance, Sylvain Martin. Ah, le voilà, on l'avait perdu. L'écurie seconde chance, Sylvain Martin, il est là, qui va donner le prix. C'est un très beau polo. Merci. Alors, Sylvain, tiens, on va te demander de nous parler un petit peu de l'écurie seconde chance. Qu'est-ce que ça représente, l'écurie seconde chance? L'écurie seconde chance, c'est un service unique en France qui permet aux propriétaires, éleveurs et entraîneurs pour lesquels nous proposons un service à la carte pour gérer le devenir de leur cheval réformé des courses, qu'il s'agisse d'un cheval qui soit entre guillemets atteint de lenteur ou alors d'une jument qui sort de l'entraînement, nous pouvons la faire devenir poulinière si elle a le pédigré, etc. Nous gérons à la carte le devenir des chevaux réformés des courses. Tu es installé dans la région, comment peut-on te contacter? Nous sommes installés à Combray, à un quart d'heure au nord du Lion d'Angers, et nous sommes facilement contactables sur notre site internet écurieseconde-chance.com. N'hésitez pas à venir nous voir, nous sommes présents sur ce show, nous avons un stand, n'hésitez pas à venir prendre un petit prospectus qui informe de nos différents services. Merci Sylvain, c'était clair et concis comme d'habitude. Alors on va continuer les remises des prix avec le 48. Le 48 qui est là, donc on rappelle hein, le discours de M. Scudamore qui a expliqué qu'il y avait vraiment une lutte très très difficile entre les quatre premiers. Alexandre Descher qu'on félicite, bravo Alexandre, une bête à concours ce Alexandre, et qui reprend la deuxième place avec ce lot 48. Ensuite, Jackie Cyprès qui s'est approché du 51, peut-être l'a-t-il déjà acheté. Du 51, ça c'est un très beau pédigré, 51. La sœur de Royality et la nièce de Carton Noir. Très très beau pédigré associé à un fort modèle. Vraiment beaucoup d'os chez cette pouliche. Bravo. Bravo Amédée qui a une super poulinière. Et donc la quatrième position est prise par le 44. Donc là on a le Carté qui a participé, vraiment qui était en lice pour le premier prix.
Et le 44, je vous en dis quelques mots, s'appelle Adula. Elle est présentée par monsieur Alain Couetil. Une Deflight et Lazaride, c'est donc la sœur de Usari, qui s'est imposée l'année dernière sur cet hippodrome, le très bel hippodrome de Lille-Briand présidé par Alain Pelletier, dans le prix de Lille-Briand justement, c'est-à-dire le derby des AQPS. Voilà, donc un petit tour d'honneur et puis on va enchaîner rapidement avec les mâles. La discipline reine, c'est un peu le championnat ici au Lyon d'Angers, le championnat des deux ans mâles et le 100 mètres des Jeux Olympiques. La discipline reine. Voilà, les femelles tournent et vont pouvoir sortir, tandis que les mâles attendent déjà. Donc on va essayer d'enchaîner assez rapidement sur le championnat des mâles. Bravo en tout cas à toutes les participantes et à tous les éleveurs qui nous ont proposé un lot de très très haute qualité, c'est ce que nous a confié à cet instant Peter Scudamore, qui aussi a dit, je ne l'avais pas traduit ça, qui a dit que lui, il est anglais, hein, ça on ne peut pas se tromper, et il juge les chevaux, et c'est ce qu'on va chercher aussi dans un jugement extérieur, de son œil anglais, c'est-à-dire en cherchant des chasers, c'est-à-dire des chevaux de steeplechase. Donc il peut y avoir des jugements qui peuvent surprendre aussi les yeux habitués à l'ouest.